Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Emma Cakeup. Elle est sous le choc. Elle a failli avoir un accident de voiture avec sa mère. L'autre voiture a pris la fuite. Heureusement, rien de grave. Mais elle est bien décidée à faire appel à la justice. Elle a appelé la police et compte bien porter plainte. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Les gars, désolé pour ma tête, j'ai mis un filtre, je suis archi dégueulasse, je suis démaquillée. On a failli avoir un accident avec ma mère, on est parti. Je vous jure, je suis tellement choquée. Bon, c'est pas grave et tout ça, bien sûr, mais bref, c'est un scandale. On est parti donc à Rambouillet, à Monop, à acheter 2-3 trucs. Quand on est revenu, donc à Pont-Évrard, pour ceux qui connaissent, dans le 78, il y a un mec, donc c'était deux voies. Il y a un mec qui avait une camionnette, bien sûr, on n'a pas réussi à relever la plaque parce qu'il s'est cassé, donc délit de fuite. Ok, tout va bien. Qui s'est déporté, il disait bonjour à quelqu'un. Il était là avec sa camionnette, il a fait coucou à quelqu'un. Et il s'est déporté, il nous rentrait dedans le mec. Je vous jure, il a donné un coup de volant. Tout de suite, il a braqué. Voilà. Et il a défoncé notre rétro. Donc bon, bien entendu, plus de peur entre guillemets que de mal. C'est qu'un rétroviseur, etc. Mais je suis hallucinée, il y a eu un bruit, je vous jure. J'ai cru qu'il avait défoncé la voiture. Direct accéléré, il est... parti directement, nous, moi je suis sortie de la voiture en furie pour essayer avec mon téléphone pour prendre en photo, sauf qu'il était déjà très très loin, il a roulé extrêmement vite. Bref, mais bon, le principal c'est qu'il y a des caméras dans le village. Là j'ai appelé le commissariat de Saint-Arnoult en Yvelines, venir demain matin à la première heure pour déposer plainte contre X parce qu'on n'a pas l'identité de la personne. Le commissariat nous a dit qu'ils avaient accès aux caméras de Pont-Évrard, donc voilà. Mais le pire c'est que le mec disait bonjour, donc le mec dans la camionnette disait bonjour. Des jeunes qui jouaient à la pétanque. Je suis allée les voir juste après. Je leur ai dit, vous savez qui c'est, etc. Ils m'ont dit que non, mon œil savait très très bien qui c'était. Ils ont juste pas voulu me dire. Mais voilà, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on n'a rien. Ma mère n'a rien. Voilà, il nous est rien arrivé et tout ça. Mais je vous jure, putain, je suis choquée. C'est ouf. Le pire, c'est... Enfin, il est parti, quoi. Il s'est cassé. Au calme.